Bonjour et bienvenue chez Français avec Suzy. Aujourd'hui, c'est la lettre P, avec une nouvelle histoire, le pirate et la princesse. Vous êtes prêts? C'est parti! Perla est une jolie princesse. Son papa lui demande d'acheter quelques fruits. Elle porte son panier et lui dit « Tout de suite, papa !» Il va au marché et achète de la pomme et du poire aussi. « Merci et à bientôt, monsieur l'épicier !» En marchant dans la prairie, un pirate méchant vole le panier et emprisonne Perla dans un haut château. Elle commence à pleurer. « au secours, sauvez-moi !» Mais personne n'est là. Elle regarde autour d'elle et elle trouve trois petits poissons dans un bocal. « Pauvre poisson, vous êtes emprisonné comme moi !» Puis, elle trouve un piano. Donc, elle commence à jouer au piano. Plus tard, un papillon arrive. « Salut, joli papillon. Est-ce que tu peux m'aider pour sortir d'ici ?» Mais le papillon vole de la fenêtre et va chez le perroquet qui était sous le palmier dans le jardin. Perla regarde de la fenêtre et trouve beaucoup d'autres animaux. Un panda, une poule avec ses poussins. « Oh, les pauvres animaux !» Le perroquet donne à Perla un de ses plumes pour ouvrir la porte. « Merci, perroquet !» Elle ouvre la porte avec la plume et va chez les animaux pour les libérer aussi. À ce moment-là, le méchant pirate arrive. « Ne bougez pas! Vous ne pouvez pas échapper d'ici !»« Au secours, papillon !» Le papillon vole en haut et appelle monsieur le policier. Arrête-toi, méchant pirate, et laisse tous les animaux et la princesse. Puis, le pirate s'enfuit vite. Enfin, la princesse Perla retourne au palais avec les fruits et tous les animaux. Est-ce que vous avez retenu tous les mots qui commencent avec la lettre P? Allons pour les réviser ensemble. Tout d'abord, papa, princesse, panier, pomme et poire. Continuons, pirate, pleurer, poisson et piano. Puis, papillon, perroquet, palmier, plume et porte. Finalement, panda, poule, poussin et policier. À ton tour, c'est papa, c'est la princesse, c'est le panier, c'est la pomme et c'est le poire. Continuons, c'est le pirate, c'est pleurer, c'est le poisson et c'est le piano. Puis c'est le papillon, c'est le perroquet, c'est le palmier, c'est la plume et c'est la porte. Finalement, c'est le panda, c'est
La poule, ce sont les poussins et c'est le policier. Est-ce que vous avez aimé l'histoire de la lettre P? N'oublie pas d'abonner à la chaîne et à bientôt!